فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، على شرح فضيلة الشيخ محمد أصلان حفظه الله تعالى. وقد وصلنا في درسنا الماضي عند باب المال الصالح للمرء الصالح، المال الصالح للمرء الصالح. بسم الله حبيبنا نبيل، ما شاء الله. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص يقول بعث إلي نبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ علي ثيابي وسلاحي ثم أتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصر ثم طأطأه ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. مصور حفيظ؟ لا؟ طيب، الحمد لله. دونك يجي الإمام البخاري رحمه الله الشابتر 140 intitulé L'argent ou le bon argent pour la bonne personne. Le bon argent pour la bonne personne. Voyez, il dit Abdullah ibn Yazid nous a rapporté et a dit. Moussa ibn Ali nous a rapporté et a dit. J'ai entendu mon père dire. J'ai entendu Amr ibn al-As radiyallahu anhu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé yani, un message à moi et il m'a ordonné que je prenne avec moi mes habits ou une tenue et mes armes
mes habits et mes armes, et qu'ensuite j'aille le voir. C'est ce que je fis. Donc, je partais le voir et il était en train de faire el wudu. Et il faisait le wudu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, et il leva la tête vers moi et baissa le regard. Il leva le regard et baissa le regard. C'est-à-dire, il regarda Amr ibn al-As de haut en bas. Quand il arriva, il le regarda de haut en bas. Puis il dit, Ya Amr, je voudrais t'envoyer vers une armée, vers une troupe armée, afin qu'Allah tabarak wa ta'ala te donne un butin. Ranima. Car je désire pour toi que tu obtiennes de l'argent qui est propre et qui est sain. Amr, il dit, je dis alors, je n'ai pas embrassé l'islam pour l'argent. Je n'ai pas embrassé l'islam pour l'argent. Lam uslim rahbatan fil mal. Mais je n'ai embrassé l'islam que pour être avec le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors le prophète, alayhi salatu wassalam, Ya Amr, comme est bon le bon argent dans la main d'une bonne personne. Comme est bon le bon argent dans la main ou pour la bonne personne. Ayed. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Wala tansa nasibaka min ad-dunya. N'oublie pas ta part de la dunya. On va expliquer, inshallah ta'ala, que lorsque une bonne personne, Allah tabaraka wa ta'ala, lui a donné de l'argent, ça c'est ni'ma. C'est ni'ma pour lui, ses proches, et pour la umma aussi. Donc le hadith, il est sahih, il est authentique. Et il a été rapporté aussi par l'imam Ahmed, Ibn Hibban et Al-Hakim, رحمهم الله. فقول عمر أمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي أي أن أعد ثيابي وسلاحي أمرني أن أعد ثيابي وسلاحي. Donc lorsqu'il dit le prophète, ou lorsque Amr, pardon, il dit, il m'a ordonné que je prenne sur moi mes habits et mes armes. C'est-à-dire que je prépare, que je me prépare, que je prenne ma tenue, d'accord, parce qu'il va se diriger vers une troupe armée, et bien sûr, ses armes. Lorsqu'il dit Amr, fasa'ada, c'est-à-dire, il leva le regard vers moi, thumma ta'ta'a, et il le baissa. Dit autrement, il regarda Amr de haut en bas. Lorsqu'il arriva, il regarda de haut en bas pour voir donc s'il a bien écouté les consignes, il a bien préparé, il s'est bien préparé vestimentairement et au niveau également des armes. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fayughnimak Allah ay yu'tiyak Allah al-ghanima afin qu'Allah te fasse don du butin. Wa qawluhu arghabu laka raghba ay وَعَطِيَكَ دَفْعَةً مِنَ الْمَالِ صَالِحَةً. Et qu'ensuite, je te donne donc une part de ce butin. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ أي نِعْمَ الْمَالُ الْحَلَالِ نِعْمَ الْمَالُ الْحَلَالِ لِلْرَجُلِ الَّذِي يُنْفِقُهُ فِي حَاجَتِهِ ثم في ذوي رحمه وأقاربه الفقراء ثم في أعمال البر. Donc bien sûr, la partie la plus importante et qui est en lien direct avec le chapitre,
C'est la parole du prophète, alayhi salat wa salam, lorsqu'il dit « ni'ma al-mal al-salih ». Donc cette expression qui commence par « ni'ma kada wa kada »,« ni'ma kada wa kada », ça exprime un émerveillement. Ça exprime un étonnement dans le bon sens. D'accord? Donc il dit, en gros, si on veut traduire, dans le sens, comme est bon l'argent qui est halal, qui est licite, salih, le mana halal. Comme il est bon l'argent halal chez la personne bonne, chez la bonne personne. Chez la bonne personne. C'est-à-dire, l'argent halal licite, hein, il est bon pour un homme ou une femme d'ailleurs. Ça y est. Car bien sûr, dans les textes coraniques ou dans la sunna, lorsque il est employé le mot rajoul, d'accord, s'il n'y a aucune preuve qui vient nous dire que la chose elle est spécifique et propre à l'homme, le jugement concerne aussi la femme. D'accord? Le jugement concernera aussi la femme. Ça concerne les deux, même si il est dit rajoul. Voyez? Sauf s'il y a une preuve qui nous dit le contraire, que cela est propre à l'homme ou propre à la femme. Comme dans le hadith dans lequel Allah tabarak wa ta'ala, il dit que il y a sept catégories qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Puis il dit, donc parmi ces catégories, Rajulun kada wa kada, Rajulun kada wa kada, Rajul kada wa kada, Rajulani tahabba fillah ijtama'a, hein, et wa tafarraqa fi, maintenant, ça concerne aussi la femme, pas que l'homme. D'accord? Donc si la femme, par exemple, fait partie des gens qui mentionnent Allah en privé et qui pleure, elle aussi, elle peut espérer être sous l'ombre d'Allah, tabarak wa ta'ala. D'accord? Aïe. El-Muhim, comme est bon l'argent propre chez la bonne personne, une personne qui est bonne. Et c'est-à-dire qui est bonne, qui dépensera donc pour subvenir à ses besoins, également à ceux de ses proches, ses enfants, ses épouses, les pauvres, et bien sûr dans les bonnes actions. Dans les bonnes actions qui sont profitables, yani la construction des mosquées pour la da'wa ila Allah tabarak wa ta'ala, appeler au tawhid, mettre en garde les gens contre le shirk, contre le bid'a. Mais ça fait partie des meilleures actions qui soient et des meilleures dépenses que l'on peut faire dans le sentier d'Allah tabarak. نعمة فعل ماض لإنشاء المدح كما قلنا نعمة فعل ماض لإنشاء المدح وفي نعم لغات لغات عديدة أشهرها كسر النون وسكون العين كسر النون ني وسكون العين نعمة هذا أشهرها ثم فتح النون وكسر العين. هذا نقول بلال. فتح النون وكسر العين. نائمة. فتح النون ناء وكسر العين. ناعي. نعيمة. وهذا موجود كذلك في اللغة العربية. النعمة ونعمة. ثم كسرهما. أخي العزيز. كسرهما نعم لا كسرهما ني عي ما هاوي يعني ما كسرهما إذن هناك ثلاث لغات نعمة ثم نعمة ثم نعمة طيب قوله للمرء الصالح الذي يراعي حق الله وحق عباد الله donc une personne qui est صالح une personne qui est bonne, qui est pieuse, qui est saine, qui est vertueuse. C'est une personne, donc on a dit, qui va dépenser pour ses besoins, ses proches, sa famille, ses enfants, les pauvres, pour les bonnes œuvres. Et donc, en résumé, qui va honorer le droit d'Allah. Le droit d'Allah, tabarak wa ta'ala,
Par rapport à ses biens. Donc il va dépenser dans ce cas-là, il lui a ordonné de dépenser. Et également le droit des serviteurs d'Allah Ta'ala. قوله فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ذكره للسلاح يدل على الاستعداد للجهاد في سبيل الله. Donc, lorsqu'il dit, et il m'a ordonné de prendre avec moi mes habits et mes armes, donc lorsqu'il dit mes armes, ici, ça montre qu'il a ordonné de se préparer pour aller dans le sentier de la guerre. فصعد إلي البصر. Donc, on a dit, il a regardé Amr de haut en bas. Nadara, il a Amr, ou il a A'lahu, il a Asfalihi. فهذا الحديث فيه منقبة من المناقب الطيبة الرفيعة لهذا الصحابي الجليل وهو من صحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو الذي دخل في الإسلام ولما دخل في الإسلام اشترط شرطا أو شروطا إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشترط أن يغفر لي أشترط أن يغفر لي قال أو أن يغفر لي أو يغفر الله لي قال صلى الله عليه وسلم ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله فيمحو فأسلم وحسن إسلامه وكان من الصحابة الكرام والمجاهدين في سبيل الله العظام ولهذا لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أميرا على سرية يبعثه على جيش ووعده قائلا له وأرغب لك في المال رغبة صالحة وهي بشارة مقدمة هذا القول وأرغب لك في المال رغبة صالحة بشارة مقدمة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا بالوحي فبين أو بينما هو عليه ظاهرا وباطنا من حبه أو بين عمرو ما هو عليه ظاهرا وباطنا من حبه ورغبته في الإسلام لا في المال وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المال الصالح للمرء الصالح Donc ce hadith, il contient une des qualités, bien sûr, éminentes et nobles de ce compagnon qui s'appelle Salim. Hein? Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Il est très connu, un des compagnons les plus connus. Et lorsqu'il est entré en islam, hein? Il a posé des conditions. Est-ce qu'il a demandé de se marier avec une musulmane? Est-ce qu'il a demandé de l'argent? Est-ce qu'il a demandé une maison? Est-ce qu'il a demandé un poste ou une fonction élevée? Là. Il a demandé l'akhira, l'au-delà. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me convertis à l'islam pour une condition, qu'on me pardonne. Yani qu'Allah tabarak wa ta'ala me pardonne mes péchés. Allahu Akbar. Il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sais-tu pas, ya Amr, que l'islam efface ce qu'il y a dans le passé ou ce que tu as fait dans le passé. Il efface tout. Tu repars à zéro. هذا من فضل الذين يدخلون في الإسلام في حياته. Celui qui embrasse l'islam dans sa vie, Allah Jalla wa Ala lui efface tous ses péchés antérieurs. Tous.
الكبائر والصغائر. الكبائر والصغائر. À condition, bien sûr, qu'il ne reste pas dans ces péchés-là aussi. D'accord? Il doit les arrêter pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne. Puis il s'est converti et bien sûr, il est devenu un des meilleurs compagnons du prophète. Il fait partie de ceux qui ont combattu dans le sens d'Allah tabaraka wa ta'ala. Amr ibn al-As, Amr. مبشرين بالجنة. لا 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 ها؟ partie des 10 العشرة. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il le convoqua pour qu'il soit le chef, le capitaine d'une troupe qu'il envoya vers une autre troupe armée. Et il lui a fait la promesse en lui disant que vas-y, et quand tu reviendras, tu auras une part du butin. Et ça, c'est bien sûr une annonce concernant le futur. En gros, il lui dit, vas-y, tu vas revenir avec le ranima, le butin, et je te donnerai une part. Ça y est. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne parle que sous l'effet de la révélation. Puis Amr ibn al-As, il lui déclara alors que il n'a pas embrassé l'islam pour ça, mais il a embrassé l'islam par amour pour la religion, par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pour l'argent. Et là le prophète il lui dit sallallahu alayhi wa sallam que l'un n'empêche pas l'autre, dans le sens: certes, tu as embrassé l'islam, pour Allah, pour être avec moi, mais cela ne t'interdit pas d'avoir de l'argent licite. Parce que l'argent licite, il est encore meilleur dans la main de quelqu'un comme toi. Dans la main de quelqu'un comme toi, de pieux, de vertueux. Cet argent-là, il va être utilisé dans le khayr. Dans le khayr. Et il va profiter aux musulmans et aux musulmanes. إذن قوله المال الصالح للمرء الصالح يعني المال الصالح في يد الرجل الصالح أي في يد الرجل الصالح ينفع الله به صاحبه ومن شاء الله من الخلق وهو الواقع لأن العبد الصالح إذا رزقه الله جل وعلا مالا فهذا العبد عرف حق الله عرف حق الله في المال فتراه يؤدي الحقوق وعلى رأسها الزكاة ويوفي بالنذور ويسهم في أبواب الخير بقدر ما يستطيع فحقا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للمرء الصالح. Donc lorsqu'il lui dit comme est bon l'argent chez une bonne personne, c'est-à-dire dans la main d'une bonne personne. Cet argent-là, il est bonifié par cette bonne personne qui va profiter donc déjà à elle-même, mais aussi aux créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il voudra qu'il profite ou qu'il fasse profiter. Et on le voit, c'est une chose qui est bien sûr attestée et témoigner de tous. Car le serviteur pieux, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il lui donne de l'argent, il n'oublie pas le droit d'Allah. Au contraire, il honore le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, tu le verras donner et remplir ses obligations. Et parmi les plus importantes, bien sûr, ou voire la plus importante, c'est zakat al-mal. Zakat al-mal. Donc, il va profiter aux pauvres, fuqara ou al-masakin et les autres catégories de la zakat al-mal, aux ayants droit de la zakat al-mal. Il va aussi honorer ses nudur, c'est-à-dire les engagements pieux qu'il a pris auprès d'Allah. Il va participer à toutes les actions de bienfaisance, de charité. Voyez, et aujourd'hui, il y a beaucoup
d'occasion de participer au alhamdoulillah. Mais attention quand même aux escrocs. Attention aux escrocs, car certes, il y a plus d'occasions, mais il y a plus d'escrocs aussi. Eh oui, il y a des associations, si tu ne les connais pas, ne donne pas. Renseigne-toi d'abord. D'accord? Il ne faut pas donner à n'importe qui. Les musulmans, il faut qu'ils soient intelligents aussi. Il ne faut pas enrichir des gens qui ne méritent pas. D'accord? Combien il y en a, ils ont ramassé, voilà. Et je pense que vous le savez peut-être. Ils ont ramassé des milliers et des millions d'euros. Voyez? Qui devaient être utilisés pour construire, je sais pas, une école, un orphelinat, creuser des puits, planter des arbres. Hein? La Palestine, etc. Et l'argent, il n'est jamais arrivé. Et ces gens-là, ils ont disparu. Volatilisés. Il faut être intelligent. Pas donner à n'importe qui. Il faut se renseigner. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Maintenant, il y a des gens qui se mettent devant la mosquée. C'est peut-être même pas des musulmans. Et tu les vois en djilbab ou la khamis. Savent même pas dire salam alaykoum. Si, ils ont appris quand même. Ils ont appris. Ils ont appris salam, salam. Il faut pas se faire avoir, inshallah ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui méritent. Et qu'eux, ils ne demandent pas. Et ces gens-là, il faut se renseigner. Il se peut que ce soit ton voisin, quelqu'un qui prie avec toi à la mosquée, tu ne le sais même pas. Wahada, Allah tabaraka wa ta'ala, justement, il a fait cela pour qu'on cherche ceux qui ont besoin, qu'on fasse cet effort-là de chercher. Vous voyez? Donc, il dit. Dans les actes de bienfaisance, et qui va dépenser ce qu'il peut dépenser, alhamdulillah. Donc, il dit, ni'mal mal salih, il mar salih. Wa yukhadhu min hadha al-hadith, aydan, mashru'iyyatu al-kasb, ay kasb al-mal min wujuh al-halal. Wa annahu la mani'a minhu, idha kana yu'addi haqq Allah min al-mal. Wa idha kana al-mal, la yushghiluhu عن أمر الآخرة طبعا من أداء الفرائض والواجبات والإسهام في المستحبات والجهاد بالبرهان والسنان إذا دعا الداعي إلى ذلك فلا مانع من كسب المال لا مانع بل هذا من سنة الأنبياء والمرسلين وذلك إلا لسماحة الإسلام دين اليسر والسهولة والسلام. On tire de ce hadith, donc il est bien sûr légiféré d'aller travailler, d'aller chercher de l'argent, d'accord, pour subvenir à ses besoins et pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'enrichisse. Afin qu'avec cet argent, cette richesse, eh bien tu profites et tu obtiennes la récompense de ceux qui ont de l'argent et qui peuvent donc donner ce qu'un pauvre ne peut pas donner. D'accord? D'ailleurs. Donc il n'y a aucun problème à ce que tu ailles travailler, tu ailles gagner de l'argent, à condition, bien sûr, que ce soit halal. Que ce soit halal. D'accord? Ce n'est pas à n'importe quel prix. Ce n'est pas à n'importe quel métier, n'importe quel travail. D'accord? Le plus important, bien sûr, c'est que ce soit quelque chose de licite pour que l'argent y soit. Salih, justement. Ni'mal mal ou salih. C'est-à-dire l'argent halal. S'il n'est pas halal, yani c'est, d'accord? Ça ne marche pas. Au contraire, ça sera pour Yawm al-Qiyamah contre toi. Mais sinon, il n'y a aucune interdiction à ce que tu ailles travailler, gagner de l'argent, t'enrichir, faire du commerce, faire un business, faire une affaire. Il n'y a aucun problème. D'accord? À condition que, bien sûr, tu donnes le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi à condition que ce travail ne t'éloigne pas des obligations de la religion. Vous voyez? Donc il faut savoir doser. Il faut savoir trouver le juste milieu. Si ton affaire, ton business, ton entreprise t'empêche d'apprendre ta religion, t'empêche d'avancer
dans la religion, d'avancer dans ta foi, là, c'est pas bon. D'accord? Les obligations, et bien sûr, les choses qui sont recommandées également dans l'apprentissage, dans le partage également, le partage de la science et des connaissances. Et le partage de la science, cela fait partie du djihad, fi sabilillah, du combat dans le sentier d'Allah, tabaraka ta'ala. D'accord? Bil lisan, wal burhan, avec les preuves, avec la langue. Donc il n'y a aucune interdiction à gagner de l'argent. Et cela, bien sûr, c'est même la sunna des prophètes et des messagers, alayhi salatu wassalam. Qui avaient donc des métiers et qui travaillaient, qui gagnaient hein, leur vie de leurs propres mains. Alhamdulillah. Pas comme certains aujourd'hui qui sont à la mosquée du matin au soir et qui attendent qu'on leur donne des aumônes ou qu'on leur donne à manger et qui se prétendent proches d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Comme font beaucoup de groupes égarés dans l'islam. Allah al-Musta'an. D'accord? Donc l'islam, c'est une religion de facilité, de tolérance, d'indulgence et de paix. Va travailler, gagne ton argent. Ce n'est pas interdit d'être riche. Il n'y a aucune interdiction à être fortuné ou là, millionnaire ou non, à condition que tu remplisses les obligations de l'islam, que tu donnes le droit des pauvres, etc., etc. Et à condition que cet argent-là, il n'est pas dans ton cœur. L'argent, le matériel, les voitures, les maisons, etc., ça doit rester dans ta main. Pas dans ton cœur. D'accord? C'est ça qui n'est pas bon. C'est quand l'argent, il rentre dans ton cœur. Là. Dans ton cœur, il n'y a que Allah, tabaraka wa ta'ala. Il n'y a que Allah. Mais l'argent, quand il est dans la main, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Oui, c'est un moyen. C'est un moyen. Parmi d'autres, c'est un moyen. Et ça te facilite beaucoup de choses. Ça te facilite même l'adoration d'Allah. Ça te facilite l'apprentissage d'un dîn. Et naam, quelqu'un qui veut voyager pour apprendre l'islam, s'il n'a pas de sous, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il trouve un logement, il faut qu'il. Et naam. Vous voyez? Pour se marier, il faut de l'argent aussi. Quelqu'un qui est célibataire, c'est difficile pour lui d'avancer dans le dîn. Dans la foi, etc. Donc pour se marier, il lui faut de l'argent. Vous voyez? Mais à condition que ça reste dans la main, filyed. Et l'argent, il n'est pas que dans le cœur des riches. Hein. Il y a des gens qui n'ont rien, mais ils n'ont que ça dans le cœur. Pourtant, ils en ont. Mais tu les vois, ils pensent qu'à ça. Matin, midi, soir, il faut que je fasse de l'argent. Ils aiment l'argent. Ils l'ont dans le cœur. Pourtant, ils n'arrivent pas. Et t'en as qui sont riches, il est dans le cœur aussi. Donc ce qui est important, c'est qu'ils ne soient pas dans le cœur, mais seulement dans la main. يؤخذ من هذا الحديث أولا بعث الحاكم الجيش للغنيمة لقوله فيغنمك الله تعالى. ثانيا العمل على تحسين المستوى الاقتصادي للفرد والأمة على السواء. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالمال الصالح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره وجعل رزقي تحت ظل رمحي. طيب parmi les choses que l'on tire de ce hadith, le fait que il est important de préserver يعني l'économie ou le niveau économique que ce soit de la société, d'un pays, d'une communauté ou des individus. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. D'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a préservé l'état économique, la situation économique, financière, eh bien de la Ummah. D'accord? Thalitha, bayanu zuhdi, amrin wa wara'i, haythu qala inni lam uslim raghbatan fil mal. Al-hadith. Troisièmement, on voit dans ce hadith Zohd, l'ascétisme de ce compagnon Amr. Donc l'ascétisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est
éloigné des choses de la dunya. Il est éloigné, c'est pas quelque chose qui vers lesquels il court ou il convoite. D'accord? Il est éloigné. Nam. Dans la main, nam. Zuhd. Lorsqu'il dit donc, je n'ai pas embrassé l'islam pour l'argent. Rabi'an bayanu hubbi Amr للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان حبه لمرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم. Quatrièmement, on voit dans ce hadith, donc le degré de l'amour du prophète pour de Amr pour le prophète صلى الله عليه وسلم. خامسا التحدث عن النية. التحدث عن النية. والإخبار بالنية إذا اقتضى الأمر ذلك جائز. الإخبار بالنية إذا اقتضى الأمر ذلك فإنه لم يرد تزكية نفسه طبعا لما قال إني لم أسلم رغبة في المال يعني ما زكى نفسه لا وإنما أخبر عن نيته لأن المقام اقتضى ذلك إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cinquièmement, le fait qu'il est permis de manifester ton intention, de dire aux autres ton intention. D'accord? Lorsque, bien sûr, la situation l'exige. Lorsque la situation l'exige, tu as le droit de dire ton intention à la personne. Donc là, bien sûr, Amr n'a pas dit « Je n'ai pas embrassé l'islam pour l'argent, mais je l'ai embrassé pour être avec le messager d'Allah, alayhi salam. » Il n'a pas dit ça pour faire ses éloges. D'accord? Loin de là. Mais il l'a dit parce que la situation l'exigeait. Vous voyez? Parce que le prophète, il lui avait dit ceci et cela, et donc il a dit « Non, moi, je n'ai pas embrassé l'islam pour ça. » Ce n'était pas pour... se vanter, non. D'accord? سادسا في الحديث بيان قيمة المال الصالح للمرء الصالح وما أشد الحاجة إلى ذلك في زماننا لتقوية المسلمين والأمة ولإعداد أهل العلم وأهل الجهاد في سبيل الله جعل الله أو جعل الله جل وعلا المال لمعاش العباد ولصالح دينهم أو لصلاح دينهم فقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي لمعاشكم وصلاح دينكم Dans le hadith, on voit également la valeur de l'argent qui est propre. De l'argent qui est licite, qui est propre, lorsqu'il est dans la main d'une bonne personne. Cet argent-là, il a de la valeur, il a beaucoup de valeur. Il a beaucoup de bénéfices. Et surtout à notre époque, où la communauté a grandement besoin d'aide financière et d'aide économique. D'accord? Combien de pays musulmans ont besoin justement, eh bien, de prospérer et de progresser financièrement? Car cela est synonyme de renforcement des musulmans. Ce n'est pas quelque chose qui a négligé, un plan qui est négligé, non. Le plan économique n'est pas négligeable. Surtout dans ce monde actuel, où plus le pays il est riche, et plus il a eh bien, de l'influence et de l'impact. On le voit avec Saoudia. Afidah Allah, qu'Allah la préserve. Qu'Allah préserve leurs dirigeants, ses dirigeants, et tous les dirigeants musulmans dans, le monde, dans les pays musulmans. Donc ça, c'est des pays, on voit que les autres pays, ils ne peuvent pas tester. Ils ne peuvent pas tester. D'accord? Au contraire, quand ils vont là-bas, ils font pas les fous comme ils font ici. Ils vont là-bas, modestes. Et quand ils s'en vont, là, ils commencent à... Ah, Saoudi, ceci, ceci, cela. Ils ne peuvent pas tester en vrai économiquement. Voyez? Donc c'est important. Et également, l'argent
est une nécessité également pour préparer, pour former et pour aider eh bien, les savants de l'islam, les enseignants, les mashayikh, les étudiants et tous ceux qui sont là pour partager. D'accord? Et même à notre niveau, si on veut faire une da'wa à notre niveau, que ce soit dans les réseaux sociaux ou autres, eh bien, on a besoin de moyens. On a besoin de moyens pour filmer, pour enregistrer, pour partager, pour acheter, pour construire un site internet. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas gratuites. D'accord? Donc, la da'wa, elle a besoin de moyens financiers. Et dans la sourate An-Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit justement que cet argent-là, il sert à la subsistance, bien sûr, des créatures, mais aussi aux intérêts de la religion, aux intérêts de l'islam. Dans le sens, il dit, et ne donnez pas aux faibles d'esprit leur argent qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait. Cet argent-là, Allah Jalla wa Ala, il en a fait une source de subsistance, mais aussi de profit pour la religion. De profit pour la religion. Pour cela, ne le gaspillez pas en le donnant aux faibles d'esprit. Wala tutusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Ceux qui ne savent pas gérer leur argent. Comment ça? Même les, ça peut être un adulte aussi. Mais si un homme, il c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent, qui gaspille son argent dans n'importe quoi, tu ne lui donnes pas son argent. Tu ne lui donnes pas. Si tu peux, non. Pour ça, tu en as certains, yani, ils sont sous tutelle. Pourtant, c'est des adultes, mais ils sont sous tutelle. C'est pas eux qui gèrent leur argent, c'est des organismes qui gèrent leur argent. Parce que, voilà, ils n'ont pas atteint le degré. Ça peut être des gens qui sont un peu faibles d'esprit, yani, qui sont pas. C'est proche de la maladie, des fois. C'est proche de la maladie, des fois. Ça existe, moi, j'en connais. Donc on est des adultes qui sont pas malades, mais leur argent, elle est sous tutelle. Ils ne peuvent pas l'utiliser comme ils veulent. Ça existe en France, ça existe. Et ça, c'est géré par le gouverneur, ça. Ça, c'est pas géré par nous. Ça, c'est le président ou les gens qui travaillent pour le gouvernement. C'est eux qui vont gérer ça. D'accord? Donc toi, si tu connais quelqu'un, par exemple, tu peux aller voir une assistante sociale. Et lui dire que est-ce que vous pouvez faire quelque chose? D'accord? Parce qu'elle fait n'importe quoi. Il y en a qui se font escroquer. Il y en a, ils ont de l'argent. Eh ben, la musta'an. Ils vont donner genre 5 000 euros à n'importe qui. Ça existe ou pas? Eh oui, ça existe. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit, Wala tutusufaha amwalakum. D'accord? Parce que l'argent, c'est important. C'est important parce que ça aide. Ça aide bien sûr les musulmans et ça aide aussi à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est clair, les frères? C'est bon? Thumma qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, bab man asbaha aminan fi sirbi. حدثنا بشر بن مرحوم مرحوم بشر بن المرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصان الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Et les femmes, si elles sont douées de raison et qu'elles sont responsables, c'est elles qui gèrent leur propre argent. Tu ne peux pas interdire à une femme de gérer son argent. Rien. Donc on passe au chapitre 141. Non, tu peux lui donner. Bien sûr, c'est ça. Lâche. Il faut donner l'argent à quelqu'un, par exemple, qui fait la prière, qui ne fait pas. Est-ce qu'on peut donner à quelqu'un? Si tu sais que le sans-papier, là, il va, il prend, il a besoin de l'argent pour manger, tu as le droit de lui, tu as le droit de lui donner. Mais si c'est pour boire de l'alcool, non, tu ne le donnes pas. Si c'est pour manger, pour l'aider, pour qu'il paye son loyer, ses factures et tout, la baisse. حسن الظن به هذا هو الأصل الأصل حسن الظن بالمسلم حسن الظن إلا بدليل إلا بدليل أو قرائن سي دي زانديس دي قرائن و دي شوز كي تو مونت كي فا يوتيليزي لارجان في الحرام تو دون با Ou sinon, tu vas lui acheter. Tu dis, tu veux manger? Tu vas acheter à manger, tu lui fais des courses. Vous voyez? Non, la baisse, la baisse. Donc, le chapitre 141, Allah, l'imam, il dit, celui qui se réveille ou qui se retrouve fis sabah, au matin, aminan, en sécurité. Aminan, fis sirbi. En sécurité, il y en a dans. En lui-même, dans son argent et avec ses proches. Avec ses proches. Hadha tafsir as-sirb. On verra, inshallah. Donc il dit, l'imam al-Bukhari, Bishr ibn Marhoum nous a rapporté et a dit, Marwan ibn Muawiyah nous a rapporté, selon Abd al-Rahman ibn Abi Shumaylah al-Ansari al-Qubai, selon Salama, Ibn Ubaydillah, Ibn Mihsan al-Ansari, selon son père, selon le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, celui qui se retrouve, yani, le matin ou à l'aube, en sécurité parmi les siens, mu'afan fi jasadi, en bonne santé, physiquement, mu'afan fi jasadi, en bonne santé, indahu ta'amu yawmi, et il a auprès de lui sa nourriture pour le jour, pour la journée. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. Lui, c'est comme si toute la dunya lui avait été donnée. Allah. Celui qui se retrouve le matin ou à l'aube en étant en sécurité. الأمن. Et on voit l'importance de la sécurité. Et on voit le danger de quoi? De l'insécurité, du désordre, du chaos, des émeutes, hein? Des manifestations dans la rue, des rébellions. Elle amène. Deuxième chose, la santé. Mu'afan. Qui se réveille en bonne santé. Alhamdoulilah, elle n'est pas malade. Et qui en plus, il a sa nourriture pour la journée. Donc il n'a pas dit pour deux ou la trois jours, pour la journée. Il a dit c'est comme s'il avait la dunya. C'est comme si on lui avait donné la dunya. Subhanallah. Wa hadha al-hadith hasan.
وخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حسن لغيره، فيه سلمة ابن عبيد الله وهو مجهول، لكن له شاهد لهذا الحديث، له شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناده مقال، ولكن الحديث يعتضد بكثرة الطرق والشواهد، وقد سلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. Donc le hadith est rapporté par d'autres personnes, Tirmidhi, Ibn Majah, etc. Et on dit qu'il est Hassan et Ghayri. Il est Hassan et Ghayri. C'est-à-dire qu'à la base, il n'est pas Hassan. À la base, il est Daif. Si on le prend tout seul, le hadith, bi mufradih wa Daif. Vous voyez ? Mais si tu rassembles tous les turuq de ce hadith, il y a hada sanad, hada sanad, hada sanad, hada sanad, parce qu'il y a plusieurs isnad. Tu les rassembles, tu les réunis, taqawwa. Il se renforce. D'accord? Il se renforce. Donc on dit qu'il est Hassan li ghayrihi. À la base, il est da'if, mais il monte d'un cran, d'un degré, qui est le degré de Hassan li ghayrihi. Et au-dessus, on a quoi au-dessus? Non. Hassan. Après, on a quoi? Sahih li ghayrihi. Après, on a Sahih. Min rijal al-isnad, Bishr ibn Marhoum. بشر ابن عبيس ابن مرحوم نسب إلى جده وهو صدوق يخطي وهو صدوق يخطي. Parmi les narrateurs de ce hadith, on a بشر ابن مرحوم qui en vérité بشر ابن عبيس ابن مرحوم لأن مرحوم في الحقيقة هو جده لكن نسب إلى جده وهذا يجوز وموجود في الإسناد وفي الرواة. وكان صدوقا يخطي. Donc Bishr ibn Marhoum, littéralement Bishr, le fils de Marhoum. Mais en fait Marhoum c'était son grand-père. Son père il s'appelait Ubays. D'accord? Donc c'est permis des fois d'affilier l'enfant à son grand-père et pas au père. Le fils de son grand-père. Taïb. Al-Muhim, les savants du hadith disent qu'il est sadouq lakin yukhti. C'est quelqu'un de véridique, mais il fait des erreurs. Ça veut dire que son défaut, ce n'est pas dans l'adala. Son défaut à lui, ce n'est pas l'adala, ce n'est pas la droiture. C'est quelqu'un de droit qui ne ment pas. Son défaut, elle est où du coup? Naam, dans la mémorisation, dans le hifz. Dans le hifz. D'accord? C'est ça son défaut. Et on a vu que le hadith, pour qu'il soit sahih, il faut que les rouat, les rapporteurs, ils aient une mémorisation impeccable. Tu vois? Impeccable. Yukhdi. Mais en même temps, il n'est pas da'if. Parce qu'il y a des degrés encore plus bas que ça. Ça, ce n'est pas le pire, ça. Sadouq yukhdi, ça va. Pourquoi ça va? Parce que s'il y a d'autres turuq, d'autres chaînes de narration qui viennent confirmer ce qu'il a dit, alhamdulillah, on accepte. D'accord? Par contre, s'il est tout seul, non. Si c'est le seul à rapporter le hadith et qu'il n'y a personne d'autre qui l'a rapporté, on ne peut pas le prendre. Parce qu'on ne sait pas si c'est trompé ou pas. وأبيه هو عبيد الله ابن محصن وهو مختلف في صحبته. Et le père donc ici de Salama ibn Ubaydillah, les savants ils ont divergé sur est-ce que c'est un compagnon ou pas. Donc certains disent oui c'est un compagnon, d'autres disent non c'était un tabi'i. Allahu a'lam. Quelle heure il est? Ah, bismillah. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Hein, quoi? Et on continuera donc l'explication de ce hadith samedi prochain. Barakallahu fikum. As'alallah tabaraka wa ta'ala an ya'allimana ma yinfa'una yinfa'ana bima allamana. Allahumma arina al-haqa haqqa warzuqna attiba'a warina al-batila batila warzuqna ijtinaba. هذا والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.